Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair. Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bétail. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair. Sauve-nous qui te chantons. Hymne des Vendredis, page 22. Nous te rendons grâce, unique Seigneur, toi qui sondes les cœurs, juge miséricordieux. Nous te rendons grâce au Verbe éternel, descendu jusqu'à nous parmi les hommes. Toi, l'impassible, tu as voulu souffrir, donnant aux condamnés ton impassibilité. Justice que ton jugement, humilité ton commandement. On t'a traité comme un ennemi de Dieu, on t'a enchaîné comme un malfaiteur. Bafoué, méprisé, abandonné par tes amis, tu as accepté une sentence injuste. Pour une parole, tu as été giflé, pour ton silence condamné. Couronné d'épines chargées de la croix, tu as été élevé de terre. Nous te rendons gloire, Père, donateur de vie, Fils exalté dans la gloire, source d'espérance. Esprit de Dieu, ton que nous adorons, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Psaume 68.
lance dans la bombe de gouffre et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Je ne puis en force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans cause. Le bleu foisonnant que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Cela que je n'ai point dérobé, il me faut le rendre. Ô Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Qu'il ne rougisse pas de moi ce qui t'espère, Seigneur Sabbath. Qu'il n'ait pas honte de moi ce qui te cherche, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Et je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. J'afflige mon âme par le jeûne, et ils m'ont fait un sujet d'insulte. Que je prenne un sac pour vêtements, et pour eux je deviens une femme. Le compte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi t'adressant ma prière, Seigneur, au temps favorable, en ton grand amour, réponds-moi, ô Dieu, en la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je l'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. De la fosse ne me happe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Ils acharnent sur celui que tu frappes, ils
toutes aux blessures de ta victime. Charge les temps sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte des justes. Aie-moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, l'exalterai par l'action de grâce. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et le jubile, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Car comme le ciel et la terre, et la mer et en eux tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Je mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ne rompt pas le roseau broyé, n'éteint pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, sur terre. Ainsi parle le Seigneur qui a créé les poignées des cieux. Lui qui a fermé la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Tirer du cachot le prisonnier, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à notre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Psaume 147. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Ô ton Fils bien-aimé. Ciel et de la terre.
froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide pour sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa foi dire qui pétermine. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, amen. Tu Concile Vatican II, discerner les temps où nous sommes, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Porteur d'un message de salut qu'il leur faut proposer à tous, la communauté des chrétiens se reconnaît réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Pour mener à bien sa tâche, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future. Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique. Marqué par la situation complexe du monde actuel, un très grand nombre de nos contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs permanentes. Une inquiétude les saisit et ils s'interrogent avec un mélange d'espoir et d'angoisse sur l'évolution actuelle du monde. Celle-ci jette à l'homme un défi. L'Église, elle, croit que le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l'homme par son esprit, lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps où
où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre père Abraham, de nous donner qu'à franchir de la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles, Amen. Sauvé du péché, et tu attires à toi l'univers tout entier.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que Éternel et Tout-Puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Thank you.